C'est le duo Patrick Fiori, Johnny Hallyday, pardon, parce que excuse-moi, je l'ai pas dit. C'était sur mon album et... Donc j'appelle Johnny, je dis putain Joe, je crois que j'ai un truc, j'ai attendu 20 ans avant de lui proposer un truc, hein. Si je crois que j'ai un truc, je te l'envoie. Il me dit c'est qui qui a fait la chanson. J'ai dit c'est Jean-Jacques. Oh, putain, comme tu le maîtrises. Ouais, vraiment. J'ai dit c'est Jean-Jacques Goldman et moi. Et donc j'ai dit à Jean-Jacques, je lui envoie quoi. J'ai fait la musique, Jean-Jacques a fait les paroles, bref on s'en fout de qui a fait quoi. Ouais. Et donc je l'envoie à Johnny et il m'appelle, il me fait ah putain ce qu'il sait bien. Je suis bluffé, mais tu le fais grave. Oui, non, vraiment. Mais, non, mais ce qui est important, c'est pas ce que je fais, c'est ce qu'il m'a répondu. Dès que j'arrive à Paris, je viens au studio. Mais là, il me dit pas quand, où, quand il arrive. C'est toujours ça, Johnny, il faut savoir. Il faut avoir des antennes partout et des amis dans tous les aéroports de France, dans les sous-marins. Et donc, finalement, on arrive à savoir où il arrive, quand il arrive. Et puis, il arrive au studio. Et puis il chante. Et puis, voilà. Et cette chanson-là, ça devait être un clip. On devait la faire en single. On devait tout ça. Et finalement... pour des raisons qui me regardent et qui le regardent, il a pas pu, voilà, parce qu'il a eu des soucis de santé derrière et ça a pas pu se faire et c'est pas grave quoi. Enfin, je veux dire, le plus grave c'est ce qui est arrivé. La chanson, voilà, j'aurais aimé que ça se fasse, mais finalement voilà, le temps nous fait pas la gueule puisque aujourd'hui on peut en parler. Donc mais c'est oui, ça que je exactement.